Grosse houle vent en hausse ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec déjà une température à 12 degrés, dans l'eau 13 degrés. Un temps qui est bien perturbé, on s'en doute. Gris, couvert, éclairci, averse, grain, pluie. Une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 10h50. Les coefficients sont de 90. Sur ce descendant, le vent est violent au secteur ouest-sud-ouest. Par rafale, il y a 6 à 7 beaufort établis, des rafales à 7-8. Donc ça vole. Les poubelles ont bien été secouées là. On a un plan d'eau en vrac et une grosse houle longue, c'est pas encore la houle de la tempête Rusica. Une grosse houle longue de 14 secondes de période orientée ouest à ouest nord-ouest qui donne sur les scieries au large 4 à 5 mètres. Pas évident à estimer, on voit que ça commence à activer déjà les bancs du large. Donc quand c'est comme ça, c'est que c'est gros et qu'il y a du vent. Quand il n'y a pas les scieries à 3 à 4 mètres, bon, c'est dantesque, il n'y a pas de surf possible même sur les spots de repli. Attention, la mer est très dangereuse aujourd'hui. Ça va grossir tout au long de la journée avec la houle de la tempête Rusica qui va arriver en soirée pour un pic demain matin. La bouée Irlande commence à toucher la houle Rusica, elle est à 15 mètres et 14 secondes. Les bouées Brest et Arcachon tournent dans les 7 à 8 mètres avec 9 à 10 secondes de période. Donc à 13h 5 mètres, houle ouest à ouest nord-ouest, 14 secondes de période vent ouest-sud-ouest 7 Beaufort et à 17h 5 à 6 mètres, houle Rusica, ouest à ouest nord-ouest, 14 secondes de période vent ouest-sud-ouest 6 à 7 Beaufort. Spectaculaire, impressionnant, dangereux, faites attention. Prochain point, 8h30, à tout à l'heure. Merci.